Mais qu'est-ce que c'est que ce film? Bonjour à tous et à toutes, fans de cinéma, c'est Esprit Z, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo réaction, et aujourd'hui on va réagir à la bande-annonce d'un film comique et familial avec John Cena en tête du casting. Ce film s'appelle Chaud Devant, ou en anglais Playing With Fire. Et ça a l'air d'être un énorme délire à l'américaine. Ce film est sorti en novembre 2019 aux USA, mais il est sorti en France début avril 2020, donc du coup je considère que c'est quand même un film de 2020. Je vais vous lire le résumé. À la suite d'un feu en forêt, des pompiers portent secours à une fratrie de 3 enfants, mais les parents restent introuvables. Les soldats du feu doivent assurer leur permanence tout en faisant du babysitting. Donc du coup, c'est un peu comme si on avait Babysitting 3, sauf que là, bah, c'est en Amérique. Ok, j'ai vraiment envie de découvrir cette bande-annonce-là, parce que si on a vraiment John Cena qui fait le babysitting américain, ça risque d'être vraiment très drôle. Alors c'est parti, lumière, moteur, ça tourne, ray, action, générique. Devant, bande annonce, c'est parti. Messieurs, on est des pompiers parachutistes, la meilleure équipe de pompiers d'élite au monde. Faut donner le meilleur de nous-mêmes. Chaque seconde de chaque jour. Faites-moi descendre. Faites ce que je dis et faites-le maintenant. Il a dit maintenant. Le verre pour l'extraction. Oh merde. Oh. Ah oui, c'est vraiment débile. Oh. Nickelodeon Movies. Pour vous rendre à vos parents, je suis légalement chargé de prendre soin de vous. Maman. En retour, vous allez m'obéir et on pourra faire notre travail. Ouais, et faire ce geste-là, genre, comme ça, bah, ça aide pas. Ok, Boomer. Sous mes ordres, pas de magouille. Oh, oh, oh. Oh, pompier, mon coup pas tourné. Ce qui va arriver en 7 secondes précises, c'est que tu vas la boucler, la grande sœur. Ou quoi? Broyeur va venir te donner une leçon. Qu'est-ce qui s'est passé? Bébé a brisé votre chia, soupe. Quand je suis distrait, j'arrive pas à faire mon travail. Où est passé votre esprit d'enfant? Non. Quoi? On vous a tué? Oh. C'est quoi ce truc? Hey, j'ai trouvé des super cuisineurs! C'est pas des jouets! Oh, oh, oh. Ah. Là, c'est la fête. Quel genre de pompier vous êtes? C'est dur à croire, mais il est gentil au fond. La vache. Soirée mousse. Oh, c'était génial ça. Quand il a regardé. Boum boum, c'est quoi boum boum? Non. Non. Regarde pas. Non, non, arrêtez, je vais... Oh, c'est drôle. Oh putain, ce que c'est drôle. Ah, c'est vraiment drôle. Dommage pour Philippe Lachaud. Là, tu avais une bonne idée de scénario pour Babysitting 3. Malheureusement, on t'a piqué le projet, hein. Et en plus, c'est avec John Cena, donc... voilà, c'est pas n'importe qui non plus, hein. John Cena qui fait du babysitting. Ça ressemble un peu à un autre film qui est sorti très récemment qui s'appelle Le Show de Big Show, et en fait bah, c'est un peu le babysitting de Big Show. Sauf que Big Show joue le rôle de Big Show dans son film. Là c'est John Cena qui joue le rôle d'un pompier lambda. Donc du coup, Chaud Devant, bon ça se voit même avec le titre, c'est complètement déjanté, surtout avec le titre anglais quoi. En français t'as Chaud Devant et en anglais t'as Playing with Fire, donc jouer avec le feu. Oh mon dieu! En même temps ça peut être un nanar, en même temps ça peut être vraiment un délire
absolument fou. Après, on a un peu les personnages stéréotypés. On va voir un putain de débile dans la bande des pompiers. On va voir le petit garçon qui fout n'importe quoi. La fille qui fait des trucs de bébé. Et l'adolescente toujours en train de bouder ou de recaler les vieux. J'ai vraiment hâte de découvrir ce film très rapidement. Parce que je sens que je vais me taper de bonnes barres avec lui. Après, la mise en scène n'a pas l'air ultra soignée, tout comme les décors ou l'imagerie. Non, c'est juste un bon délire entre vieux et jeunes. Un babysitting absolument fou dans une caserne de pompiers. Ils vont foutre le feu, faire des soirées mousse, dévaliser des magasins. En fait, faire tout pour le bonheur de ces trois enfants tant que les parents ne sont pas revenus. Les parents vont revenir, ils vont plus rien comprendre à la vie de leurs enfants. Oh, vous vous êtes bien occupés d'eux, donc on va vous les laisser. Ah, ça nous fera une charge en moins. Voilà, c'est la fin de cette vidéo réaction. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter, liker cette vidéo. Et n'hésitez pas aussi à me suivre sur tous les réseaux sociaux. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'était Esprit Z. Coupé.